Renault remporte le Tour des Flandres 2009 en démonstration. Et derrière, Hausler qui sort. Le deuxième de Milan San Remo qui a pris quelques mètres. Hausler qui va peut-être prendre des points pour le classement mondial. Il se rapprochait ainsi de Alan Davis sans pouvoir le dépasser, même en étant deuxième. Le caméra qui s'attarde sur le vainqueur et quelques mètres d'avance pour Hausler qui ne va pas voir arriver Cavendish comme à Milan San Remo. Et Hausler qui devrait pouvoir résister. Il avait encore du jus, hein. On ne savait pas. Attention quand même. Oh, chute! Chute sur la droite de la route. Et c'était dans des hommes qui jouaient la gagne. Hein. Hausler est deuxième. Et on va avoir un silence loto peut-être sur le podium. Ça n'est pas sûr. Si, c'est Gilbert qui est troisième. Il est très près. Pozzato, 4, 5, Mascant, 6, Krohn. Et Gilbert sur le podium. Deux Belges sur le podium. Hein. Bonhomme n'a pas fait le sprint, mais je ne sais pas. J'espère qu'il n'a pas été pris dans la chute. En tout cas, ils sont 6 ou 7. Je vais aller voir qui a été pris là-bas. C'est Gilbert, très puissant. Hein. Vous savez, c'est une arrivée en léger faux plat, légèrement montant. Et je pense que ça... C'est Rast, je pense, qui tombe le Rast, premier. Avec un coureur de l'équipe Silence Lotto qui tombe aussi. Je me demande si Van Avermaet en a un deuxième là. En tout cas, il y a certainement un Silence Lotto qui a été pris. Incapi qui arrive maintenant, mais apparemment sans bobo. Et...